Les problèmes cardiaques sont une condition très dangereuse et souvent silencieuse. Le fait qu'elle soit silencieuse fait que beaucoup de gens la prennent comme quelque chose d'insignifiant. Coucou mes amours, bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube Au cœur du bien-être. Je m'appelle Suzanne, j'espère que vous allez bien et si ça ne va pas, ça va aller. Alors, abonnez-vous à ma chaîne YouTube Au cœur du bien-être pour ne manquer aucune des deux vidéos que nous partageons chaque jour. Comme remède maison d'aujourd'hui, je vais vous donner ce remède naturel puissant, fait à base de citron, d'ail et de gingembre. Avec ce remède, vous pouvez nettoyer les artères et offrir de nombreux avantages au cœur. Comme ingrédients, nous aurons besoin de 4 citrons, de 4 têtes d'ail, d'une racine de gingembre et 2 litres d'eau. Mode de préparation. Bien laver tous les ingrédients. Gardez la peau du citron si vous pouvez. Coupez-les en morceaux. Mettre les ingrédients dans un mélangeur. Si vous jugez nécessaire, vous pouvez ajouter un autre ingrédient de votre choix, comme la menthe poivrée par exemple. Après avoir très bien mixé, vous allez mettre ce mélange dans une casserole et ajouter les 2 litres d'eau. Laissez sur le feu moyen jusqu'à ébullition. Dès que ça commence à bouillir, retirez directement du feu et laissez reposer jusqu'au moment de la consommation. Le mode de consommation et de traitement dure au minimum 3 semaines. Au cours desquels il est recommandé d'éviter la consommation d'aliments riches en graisse. Pour ce qui est du mode de consommation, vous prenez un verre le matin au réveil à jeûne, un verre à midi et un verre le soir. Consommez ceci tiède de préférence, chaude ou tiède, en fait, ne pas vous brûler. Cette méthode est efficace et contribue à réduire le mauvais cholestérol, comme on l'appelle souvent, mais qui est considéré comme l'excès de cholestérol dans le sang. Et aide à réduire également la graisse qui se dépose dans certaines zones du corps, fait baisser les triglycérides dans le sang, aide à prévenir la formation de thrombus, aide à faire baisser la tension artérielle, améliore le fonctionnement du foie et favorise donc la purification de l'organisme. Ceci contribue au bon fonctionnement des reins et contribue indirectement à lutter contre la rétention d'eau. Ceci aide à réduire les problèmes de circulation sanguine, renforce le système immunitaire, prévient l'apparition de tumeurs malignes. L'ail et le gingembre ont des propriétés antioxydantes qui contribuent également au renouvellement et au rajeunissement de nos cellules. De nombreuses études expliquent que l'utilité du rhizome de gingembre peut aider à réduire le taux de cholestérol dans nos artères. Le gingembre contient plusieurs antioxydants. Ceux-ci sont efficaces pour traiter la pyrooxydation lipidique qui se forme dans les artères, pour aider à prévenir les dommages cellulaires causés à la fois par le cholestérol et les triglycérides. Aide en arrêtant l'accumulation de plaques sur les parois des artères, tout en favorisant une circulation sanguine adéquate dans tout le système coronaire. Si vous souhaitez réduire les risques de souffrir d'une maladie cardiaque, vous devez tenir compte des recommandations précédentes. Alors voilà, c'était tout pour cette vidéo. Si vous aimeriez que je revienne avec d'autres vidéos à ce sujet, likez cette vidéo au maximum, partagez sur vos réseaux sociaux favoris afin que ça puisse aider un maximum de personnes. Et surtout, abonnez-vous également à ma chaîne YouTube Au cœur du bien-être pour ne pas manquer les deux vidéos que nous partageons chaque jour. D'ici là, prenez soin de vous et on se dit à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous, bisous. Bye bye.